Ce mercredi 14 juin, Ayette Abidal, qui a demandé le divorce à son époux Eric Abidal en novembre 2011, a pris le père de ses enfants pour cible sur Instagram dans l'objectif de lui demander de signer des papiers administratifs particulièrement importants. La guerre est déclarée, a-t-elle précisé. Si est-il une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre en 2021. Le 4 novembre 2021, Kera Amraoui, alors star du PSG, est victime d'une violente agression à bord d'une voiture. Résultat, la jeune femme s'en sort avec de gros hématomes et des plaies à l'arrière de la cuisse droite, ainsi que des points de suture sur l'une de ses mains. Rapidement, l'enquête se dirige vers Aminata Diallo, qui était présente à côté de Kera Amraoui au moment des faits, mais a été épargnée par les agresseurs. Gardée à vue pendant 48 heures, la jeune femme, qui a signé au club de Leventeoud depuis, a rapidement nié toute implication, et a finalement été libérée. Par la suite, CIST l'atteste d'une vengeance amoureuse qui était privilégiée, et, contre toute attente, CIST une célèbre WAG, répondant au nom de Ayette Abidal, qui se trouve mêlée à l'affaire. La raison? Eric Abidal, son époux, est accusé d'avoir eu une relation adultère avec Kera Amraoui. Ayette Abidal attend la signature des papiers du divorce entendu par les forces de l'ordre dans l'affaire. Ayette Abidal n'a pas supporté le fait que son nom soit affilié à une telle histoire, même si les soupçons concernant une éventuelle implication ont vite été écartés. Mais la mère de famille a demandé le divorce près de 2 semaines après le début de l'affaire. Néanmoins, plus d'un an après sa demande, il semble que ses liens avec Eric Abidal ne soient toujours pas rompus. Si est-il du moins ce qu'elle a laissé entendre ce mercredi 14 juin sur Instagram. Ma patience a des limites, a commencé la jeune femme dans un message adressé à celui qu'elle a longuement aimé, j'ai voulu préserver nos enfants jusque-là, mais tu en as décidé autrement en abusant de ma gentillesse. Si tel est ton choix, accroche-toi car la guerre est déclarée. Mais pourquoi un tel message ? D'après les dires de Ayette Abidal, l'ex-footballeur lui aurait fait vivre un enfer ces 10 dernières années et plus précisément ces 2 dernières années après sa demande de divorce suite à une infidélité. Eric, signe les papiers du divorce, merci, que ce divorce soit une page qui se tourne afin que tu puisses vivre pleinement ton idylle avec ta nouvelle femme suite à ton mariage express par respect envers moi et nos enfants, a-t-elle ajouté. Ambiance.